que Pony Step, c'est un magazine aujourd'hui, mais c'est la personne qui faisait le club Boombox, dans lequel Andrea et moi avons été beaucoup impliqués il y a quelques années. Et donc après avoir fait des soirées comme ça dans l'est de Londres, qui marchaient très bien, qui réunissaient toute la faune fashion de la ville, etc., la faune fashion allumée de la ville, le mec a décidé de monter un magazine. Donc maintenant il fait un magazine et il continue un peu à faire des soirées ici et là. Donc à l'occasion, on joue pour lui. Voilà, mais sinon on n'est pas trop résident. En fait, on bosse beaucoup. En fait, on guest comme ça, on voyage beaucoup en Europe, au Japon, un peu partout. Ce qu'il y a, c'est que J-Bag, on est en train de monter en ce moment une formule où on va être un peu plus live. Moi, je ferai DJ, lui, il aura un keyboard, des samples, pourra jouer sur la musique. On est en train de mettre ça en place et je pense que ça fera un petit show sympa, quoi, qui change un peu justement de mes prestations de DJ moi tout seul et qui en même temps n'est pas non plus complètement un truc de groupe, musicien où on joue. C'est un peu entre les deux, quoi. On joue à Neuromix, donc je pense que ça va être assez sympa. On va vraiment se lancer là cet été. Et je pense que de plus en plus, J-Bag commencera à prendre un peu le relais au niveau de mes DJ sets. Bon, moi j'en fais beaucoup et j'adore ça, mais sur le long terme, je pense que J-Bag arrivera vraiment à s'imposer comme de bons DJ, de bons producteurs qui sont vraiment une valeur sûre.